donnée pour la course des hommes en Parava à VL4 1500 mètres. Si Inaté peut rester deux petites minutes avec toi, Ariano, on la récupère juste après cette course. On est avec André avec un très très bon départ puisqu'on a Hawaï, la Nouvelle-Zélande, Tahiti au 4, la Nouvelle-Zélande encore, deux rameurs de Tahiti au 5 et 6, l'Australie et l'Allemagne. André. Et oui, toujours la Nouvelle-Zélande comme menace pour Tahiti. On voit eh bien, ces trois représentants, eh bien, deux de Tahiti, un de Nouvelle-Zélande, se bataillent en fait pour la première place chez nous. C'est Ben et Michel, les deux satés entre guillemets, que l'on reconnaît, qui s'entraînent également du côté de Haroué, qui semble eh bien, bien parti également pour cette course. Attention à la Nouvelle-Zélande, couloir numéro 2. Olivier, je pense c'est Vic, Alan Vic, qui est en coude à coude avec Noaito Tahiti. Tiens, Olivier. Oui, c'est le Hawaïen, Welvic, mais c'est plus Bruce Campbell, hein, néo-zélandais, qui semble être très très bien parti dans son couloir. Mais il est à la lutte avec le couloir numéro 4, un autre néo-zélandais, et puis également Michel Temorede, qui est de Tahiti au couloir numéro 5. Oui, tout à fait, au coude à coude ici, Michel Temorede qui sont revenus là haut de 150 mètres quasiment sur Bruce Campbell. Et là, ça va être encore une lutte acharnée pour cette première place en V1, un paramène VL4. Michel Temorede qui est juste devant Bruce Campbell à l'heure actuelle. Mais rien n'est encore fini. Hein. Bruce Campbell n'a pas dit son dernier mot. Il va essayer de s'accrocher jusqu'au bout. C'est une belle leçon de courage ici qu'on rencontre avec ses paramènes. Parava amène ici du côté de Auretinihau à Taone sur le plan d'eau de Taone. Ouais, et puis on a Ben Tahi qui est au couloir numéro 6, juste derrière Temorede Michel qui pour l'instant lead la course au couloir numéro 5. Ils vont approcher des 50 derniers mètres. Et pour l'instant, il devance encore le néo-zélandais Bruce Campbell. Peut-être encore une médaille d'or pour Tahiti. Ça serait la deuxième après les V12 tout à l'heure des hommes. Mais voilà, ça va être très très serré. Très très serré. Très très serré. Peut-être une médaille d'argent. On voit les images, on a l'impression également. Ah non, ça se joue Bruce Campbell rien. qui revient en force là ici. Sprint final pour essayer de passer la ligne d'arrivée. C'est la victoire pour Tahiti. C'est Michel Temorede qui remporte donc cette course Parava VL4. Ouais, bravo à Michel, belle victoire pour Michel Temorede, médaille d'or devant les Néo-Zélandais Bruce Campbell. Voilà pour cette belle course de 500 mètres Parava VL4. On va tout de suite rejoindre les internautes.